Hello tout le monde! Ah non! En fait, alors, je vais être très mal à l'aise à l'idée de faire ça, mais c'est un pari et je dois le faire. Hello la ruche, ici votre reine! Ça fait hyper prétentieux, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais j'avais un pari avec un pote où je devais faire cette intro parce que j'ai reçu mon trophée des 100 000 abonnés et je suis trop contente, regardez comme il est trop beau! Voilà, donc le deal, c'était le jour où je recevais ça. Je devais faire l'intro. Salut la ruche, ici votre reine. Je ne suis pas du tout votre reine, ni quoi que ce soit. Hein. Mais voilà, on a trouvé ça marrant, donc c'est fait. Bon, on se retrouve en face cam quelques semaines après le lancement du concours des 100 000 abonnés où je vous faisais gagner un an d'équitation pour le lot numéro 1 et une après-midi avec moi pour le lot numéro 2. Alors, ça a été très compliqué de choisir. Franchement, déjà, j'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de vidéos, donc merci. Merci d'avoir joué le jeu parce que je sais que c'est pas facile forcément pour tout le monde de prendre sa caméra, son téléphone et de se filmer comme ça en face cam. Moi, je le fais hyper facilement, etc. parce que ça fait quand même des années que je le fais et ça fait quasi 15 ans que je partage ma vie sur les réseaux sociaux. Mais je comprends tout à fait que c'est pas forcément évident pour tout le monde et qu'il y en a qui sont très timides et pour certains c'est très compliqué. Donc merci d'avoir fait cet effort. Moi, ça m'a fait très chaud au cœur de voir vos petites têtes. Parce que voilà, derrière un pseudo, on ne sait pas à qui se cache. Et encore une fois, bah, c'est cool. C'est cool de leur jouer le jeu. Bah, alors par contre, pendant 3 semaines à peu près, vous avez refait mes soirées. C'est-à-dire que tous les soirs, je regardais plein de vidéos pour essayer d'en choisir une seule. Encore une fois, ça n'a pas été facile. Et mon choix final s'est fait ce matin. D'ailleurs, je filme juste avant que la vidéo ne sorte. On est mercredi, hein. je n'ai pas filmé ça à l'avance. C'est vraiment but en blanc, là, brut de pomme, comme on dit. Dans cette vidéo, je ne vais pas annoncer le nom de la gagnante des... Enfin, pas des 100 000, mais de l'année d'équitation, puisque je l'ai déjà contactée par téléphone. Donc si ce matin, vous n'avez pas reçu un appel de ma part, c'est que malheureusement, vous n'avez pas gagné, mais je tenais à l'appeler moi-même. C'est pour ça que je vous avais demandé les coordonnées, etc. D'ailleurs, il y en a certains qui n'avaient pas coché toutes les cases. Et c'est dommage. Et bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu des concours. Forcément, ceux qui ont coché toutes les cases de participation, les vidéos ont été vues et revues et re-revues pour faire mon choix qui a encore une fois été très compliqué parce que pour rien vous cacher, hier soir j'hésitais encore entre 4 vidéos et ce matin entre 2. Mais il fallait un seul gagnant donc j'ai réussi à faire mon choix. J'ai dû me faire aider, je vous avoue, mais l'avantage c'est que sur les personnes, j'ai envoyé la vidéo à 8 personnes, je vous l'avais dit que sûrement il allait falloir que je me fasse aider pour faire mon choix final. Et ça a été le cas parce que j'étais incapable de choisir, entre 2 notamment. Et bah, toutes ont choisi la même personne, donc ça m'a aidé. Donc merci, si vous passez par là, d'avoir aidé pour choisir la grande gagnante. Parce que oui, du coup, c'est une fille. C'est tout ce que vous saurez aujourd'hui. Concernant le deuxième lot, là, je vais vous dire son prénom. Par contre, je ne t'ai pas encore contactée. Je vais le faire là, juste après la vidéo. Là, je vais le faire, promis. Il s'agit de Julia. Donc, si tu t'appelles Julia, il y en a peut-être plusieurs parmi vous, mais que tu as participé au lot numéro 2, eh ben, tu viendras passer une après-midi avec les garçons et avec moi. Encore une fois, il y a peut-être plusieurs Julia, je suis désolée, mais tu vas recevoir un mail de ma part qui te dit que tu as gagné donc cet après-midi à nos côtés. Là encore une fois, vous avez été très nombreux à participer et je tiens d'ailleurs à souligner le fair play que vous avez eu parce que j'ai reçu pas mal de mails qui me disaient voilà, moi j'ai la chance de faire du cheval donc je préfère jouer au lot numéro 2 et laisser la chance à quelqu'un d'autre de gagner l'année d'équitation donc vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, après là ça a été un tirage au sort pour le coup, autant pour l'année d'équitation. J'ai regardé toutes les vidéos plein de fois et j'ai fait une sélection et j'ai choisi le gagnant. Autant pour passer l'après-midi avec moi, j'ai fait un tirage au sort tout basique. Et du coup, bah, c'est Julia qui a été tirée au sort. Je tenais encore une fois à vous dire merci, merci, merci de faire partie de cette aventure. C'est trop chouette. Et encore une fois, j'ai été très contente de pouvoir vous voir à travers les vidéos. Alors, j'aurais aimé vous faire gagner
tous, vraiment, parce que en plus, je suis passée vraiment par toutes les émotions pendant ce concours. J'ai ri, j'ai pleuré, et vraiment, c'était assez fort de pouvoir entendre pour certains votre histoire. Et c'est pas parce que vous n'avez pas gagné que vous ne m'avez pas touché ou que voilà, mais il n'en faut qu'un, malheureusement. C'est un peu la loi des concours. Vous êtes plein à participer, mais il n'y a qu'un seul gagnant. Et encore une fois, si j'avais pu vous faire gagner tous, je l'aurais fait. Mais je ne suis pas encore Squeezie, malheureusement. Donc un gagnant. Et voilà, j'espère en tout cas que ça fera plaisir à cette personne d'avoir remporté ce lot. Et qu'elle en profitera une fois par semaine comme c'est prévu. Et surtout, je sais à quel point les chevaux ont ce pouvoir de faire aller mieux quand ça ne va pas. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tous le dire, hein. Vous pouvez avoir tous les problèmes du monde, vous êtes au contact des chevaux et franchement, le temps s'arrête et il n'y a plus de problème. Tout du moins, le temps où vous êtes avec eux ou sur leur dos. Mais moi, je sais que c'est vraiment au contact des chevaux que mes problèmes s'envolent et ça fait du bien. Donc, encore une fois, si je peux permettre à cette personne d'oublier ses petits tracas de la vie ou d'avancer un petit peu mieux dans sa vie ou qu'elle s'épanouisse à travers les chevaux, et ben, je suis la personne la plus heureuse du monde. Et voilà. Donc, j'espère que vous comprenez ceux qui n'ont pas gagné. De toute façon, c'est le jeu. Et encore une fois, croyez-moi que ça n'a pas été facile. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter la vidéo ici. Je suis désolée, il n'y aura pas eu de poney aujourd'hui sur la vidéo. C'est un peu comme à l'ancienne, une face cam entre vous et moi. Et c'est pas grave, dès samedi, vous allez revoir les chevaux. Ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'en tout cas, je suis tombée de Cantum en cours de saut il y a quelques jours, que je me suis fait très très mal à la hanche. Mais j'ai fait une petite radio hier, ça va beaucoup mieux et dans quelques jours je vais pouvoir remonter donc c'est cool. Je vous mettrai peut-être dans la prochaine vidéo ma cascade parce qu'elle a été filmée. Mais voilà, c'est des joies de ce sport aussi. Mais aujourd'hui c'était plus entre vous et moi cette vidéo. Donc voilà, ça n'aura pas été une vidéo hyper longue et hyper, comment dire, pas intéressante parce qu'à mon sens c'est quelque chose d'intéressant d'annoncer deux gagnants. Mais forcément. Je sais que je vais faire pas mal de déçus en vous postant cette vidéo. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Encore merci, merci, merci de faire partie de cette aventure. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.